Bon, ensuite, on a, ce qui est un petit peu sous-jacent à votre question, c'est la façon dont le côté spirituel, ce que l'on voit dans le thème est le lien avec la spiritualité ou le lien avec la philosophie du coin, dirons-nous. Et là, on a la notion de karma qui s'invite immédiatement. C'est-à-dire que l'astrologue indien, au vu d'un thème, il voit, comme l'astrologue occidental d'ailleurs, en astrologie traditionnelle, il voit des programmations. Ces programmations étant dues d'une part à des états antérieurs de l'être, j'évite volontairement le mot vie antérieure, des états antérieurs de l'être, et qui viennent se mixer aussi avec le Linga Sharira, c'est-à-dire l'héritage ancestral. Alors, c'est assez Et intéressant de poursuivre sur cette astrologie karmique parce que est-ce que celle qui est pratiquée en Occident correspond justement au cœur de cette astrologie karmique telle que vous venez de la décrire? On en parle beaucoup, hein? en rien du tout. C'est-à-dire que cette astrologie karmique d'origine américaine et californienne ne correspond en rien, ni au point de vue des techniques utilisées, ni au point de vue de sa philosophie, à ce que l'Inde peut faire, hein, ou ce que l'Inde a proposé au fil du temps, pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est que dans les couches les plus anciennes de cette notion de karma, puis du lien entre l'astrologie et le karma, on considère que les états successifs de l'être peuvent être humains, mais peuvent être végétaux, animaux, etc. Et donc, que ça n'a pas de sens de décrire une vie antérieure, que ce soit avec un thème, ou autrement, parce que lorsqu'on fait ça dans certains textes, c'est uniquement vu comme une sorte d'allégorie. C'est-à-dire, je pouvais être dans un état de demi-dieu ou de demi-démon, et puis, comme je suis obligé d'expliquer quelque chose, eh bien, je le traduis en termes d'existence quotidienne d'un être humain tel que je la connais. Mais les états successifs de l'être peuvent être humains, peuvent ne pas être humains du tout. Donc, premier point. Deuxième point, quand on regarde les liens les plus anciens en Inde entre karma et astrologie, on constate qu'il n'y a pas de rapport causal point par point. Autrement dit, le thème montre les programmations globalement et pas point par point. Je m'explique. Quand vous faites une comptabilité, vous tirez un trait et d'un côté, vous avez un chiffre débit, de l'autre côté, crédit. Ces chiffres sont entièrement conditionnés par les chiffres précédents. Mais de connaître ces deux chiffres, ça ne vous permet pas de distinguer le précédent du précédent du précédent. Voilà. C'est-à-dire que c'est le karma global qui est vu dans le thème et qui ensuite va se déployer dans l'existence.